Moi, je trouvais ça vraiment chouette parce qu'on a appris beaucoup de choses et en plus, bah, c'était convivial parce que on faisait ça à plusieurs et c'était dans la bonne humeur, donc c'était vraiment chouette. Ouais, non, franchement, on a passé des super soirées et en plus, on goûtait nos plats et puis on cuisinait ensemble et donc c'était vraiment chouette. Bah oui, on a appris beaucoup de choses parce qu'avant, je savais vraiment pas cuisiner et donc on pouvait progresser d'un côté et puis bah ouais, c'était chouette d'être tous ensemble et on était un groupe sympa, donc voilà, c'était chouette. Oui, forcément. Oui, on a appris beaucoup de choses, surtout qu'on a fait des ateliers à chaque fois différents. Donc, bah, c'était sympa justement d'apprendre à faire des choses différentes. Et oui, voilà. Bah, c'est vrai qu'on a appris quand même beaucoup de choses pendant ces 5 soirées. Donc, autant à nettoyer les légumes, quand on était au magasin pour voir quoi acheter, ce qui était bien, puis comment on poussait les légumes quand on était à Biolorraine. Donc, on a vraiment appris beaucoup de choses et on a progressé aussi dans la manière de cuisiner parce que on a cuit dans la poêle, mais aussi au micro-ondes et voilà, c'était chouette. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que on était vraiment dans une situation un peu comme en côte, parce que parfois on n'a pas toujours tout ce dont on a besoin, et donc du coup on devait faire en fonction de ce que les autres utilisaient, et on a utilisé des trucs que je n'utilise pas nécessairement à la maison. Je pense que oui, parce que donc on a appris plusieurs recettes, et donc du coup je pense que je vais vraiment les utiliser l'année prochaine, et donc c'était quand même vraiment utile. Je pense que oui, parce qu'on a quand même pris conscience de beaucoup de choses, donc surtout en allant visiter l'implantation de Biolorraine, mais aussi dans les produits qu'on utilisait, parce que c'était souvent des produits bio, et on a vu que c'était bon et que c'était pas trop cher et que on en trouvait, quoi. Bah oui, parce qu'on a fait par exemple au micro-ondes, c'est super pratique pour faire dans un code quand on n'a pas vraiment un four et tout ça. Et aussi on a appris on a fait un atelier végétarien, et comme j'avais pas du tout l'habitude de manger végétarien, j'ai trouvé ça sympa, et justement je ferais peut-être plus de légumes des repas végétariens une ou deux fois par semaine, quoi. Ça change et c'est bien. Oui, parce que quand on est en côte, on doit être super autonome, justement pour tout ce qui est cuisine. Et comme on n'a pas spécialement l'habitude de faire ça chez nous, c'était vraiment intéressant pour savoir cuisiner l'année prochaine et même après. On a des bases, quoi. Comme elle a dit, c'est vrai que c'est super pratique parce qu'on s'est vraiment amélioré. Pour l'année prochaine, c'est vraiment utile. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que c'était vraiment super chouette. Il y avait une bonne ambiance et on était en groupe et tout ça. Donc ça passait facilement. On apprenait, mais on s'amusait aussi, quoi. Oui, comme elles l'ont dit, c'était des ateliers, pas des cours, donc on s'est vraiment bien amusé, on a appris plein de trucs et franchement, ouais, je le conseille à beaucoup de monde. La preuve, c'est que aujourd'hui, ceux qui sont venus pour le dernier atelier, ils trouvent ça tous cool aussi, donc ça fait déjà des amis convaincus.